La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles, c'est vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, vaut mieux que ça. Maintenant qu'il faut aller dans les rues, c'est maintenant qu'il faut bouger, qu'il faut créer un vrai rapport de force. Et nous, en tant que jeunes, on se mobilise parce que c'est notre avenir et par solidarité avec tous les salariés. Moi, j'ai trois enfants, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec les jeunes. C'est une loi qui cristallise tout ce qui est la précarisation, la montée des injustices depuis le début du quinquennat de Hollande et puis depuis bien plus longtemps. C'est une des plus grosses mobilisations de ces dernières années. Et juste, tiens à dire une chose, c'est la première fois que la jeunesse est mobilisée alors que c'est un gouvernement de gauche. Écoute, je trouve que c'est plutôt une bonne réussite pour le moment. Donc, de toute façon, là, on a pas mal de lycées mobilisés, des facs aussi. Et du coup, pour une première journée, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, ce qu'on veut, c'est que ça se continue à se mobiliser à fond jusqu'au 31. Au moins, la moitié des étudiants travaillent à côté de leurs études. Et que du fait de cette position, on est déjà super précaire à la base et ils veulent nous précariser encore plus, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on y pense. Alors moi j'ai envie que, à l'Assemblée nationale, les députés du Front de Gauche soient le relais de ces jeunes, c'est-à-dire qu'on combatte pied à pied la loi El Khomri, mais qu'aussi on porte des mesures de progrès. Voilà, reprenons, levons-nous le camp du progrès, reprenons le chemin du progrès. Et on espère qu'une chose, parce que c'est l'objectif principal, que cette loi sortirait. Qu'on laisse gouverner le patronat, on vaut mieux que ça. Qu'on fasse gouverner par vos lois, on vaut mieux que ça. Quelques irréductibles Benoît face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits, on vaut mieux que ça. La loi El Khomri, on vaut mieux. Et toutes ces conneries, on vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu, nous, on vaut mieux que ça. Que toute leur tromperie, on vaut mieux. Ça paye pas le bon prix, on vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Mais on est heureuse de voir que peu de gens sont d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et si la mobilisation peut continuer, se radicaliser et aller vers des vraies questions de société. Si on se bat aujourd'hui et si on fait reculer le gouvernement, l'avenir il sera sans doute meilleur que s'il y a cette loi travail qui passe, parce que c'est une régression sociale terrible et que tous les jeunes et les salariés sont concernés. On est là pour se battre pour nos futurs droits et pour ceux des gens qui travaillent déjà en fait. Ça veut dire que la convergence des jeunes et des moins jeunes de toutes les catégories de la population est possible. Donc c'est un encouragement très fort pour la suite parce qu'il faudra d'autres journées, parce que le gouvernement a décidé de s'acharner. La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière qu'en euros, la pyramide le veut faux, d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée, repos et euros à journée, non, vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées, mieux les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour et mieux les temps partiels à 24 heures, la semaine à 35 heures, et d'autres tac qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer, c'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré, le plafonnement des indemnités, on peut pas se bourrer, c'est pas pour aider le salarié car on vaut mieux que ça. C'est important que vraiment le mouvement social et que tous les gens qui se mobilisent contre cette loi travaillent ensemble et s'unissent ensemble pour véritablement proposer quelque chose de nouveau, et il faut que quelque chose d'alternatif se fasse. Justement, en ce moment, il y a quand même le mouvement prend de l'ampleur, c'est pas juste sur le retrait de la loi El Khomri, c'est quelque chose de bien plus large, et on le voit avec le mouvement Nuit Debout, justement. C'est un mouvement hyper populaire, et je sais pas si vous y êtes allé, mais c'est une ambiance quand même incroyable. Les gens sont tous là parce qu'ils ont encore de l'espoir et qu'ils croient qu'on peut changer les choses justement et qu'on peut plus continuer à vivre comme ça. Je pense que c'est encore une chance d'espérer aujourd'hui qu'on peut changer les choses. La réforme du code du travail vaut mieux que ça. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles, on vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, on vaut mieux que ça.